Et coucou tout le monde, c'est Laola, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Jurassic World Evolution 2. Et aujourd'hui, du coup, nous allons entamer l'épisode 2. Donc, je le tourne à la suite de l'épisode 1. Et là, je viens de comprendre qu'en fait, quand les dinos trouvaient l'enclos trop petit, il fallait enlever un petit peu de végétation parce que du coup, il y en avait trop. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'au milieu, il n'y a rien. Et du coup là les stégos c'est bon, ils sont à 90% de bien-être dans leur enclos. Donc voilà, et puis j'ai remodifié du coup un petit peu les enclos, je les ai fait un peu moins grands pour qu'il y ait quand même de la place pour la suite quoi, pour les autres dinos. Owen, nous avons un problème. Je fais ce que je peux Claire, mais c'est comme ça que je suis, c'est tout. Pas toi. Ah, les dinosaures, je suis au courant. Ok, alors que dis-tu de ça? Une tempête de sable se dirige droit sur nous et elle pourrait détruire toutes nos installations. Sans électricité, la sécurité de nos dinosaures sera compromise. D'accord. Écoute-moi, Claire. On va s'en sortir. Je t'ai jamais fait faucon, pas vrai? À vrai dire, non. Et j'ai pas l'intention de commencer maintenant. On fera tout notre possible. On a déjà affronté pire qu'un petit vent de sable. Ouais. Ok, bah j'ai ouvert tout ça, hein. Ok, là il y a des gens là. Ils font quoi? Ah là, la clôture endommagée. Oh non! Non! Ah non! Alors attendez les gars, il y a le Baryonyx qui s'est échappé là, ça va pas du tout. On va prendre l'équipe de capture et ils vont capturer lui. Parce encore les autres je ça va mais... Je que la situation me préoccupe. Je vous donnerai bien un petit coup de main. Ouais, faut pas qu'il y ait de mort. Qu'est-ce qu'il fait lui? De protéger nos dinosaures. Et notre... Non mais... Il rentre dans l'enclos, oui, bien quoi. Sûr, le personnel, inutile de le préciser. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, perdre ces animaux une nouvelle fois serait un vrai désastre. Un désastre financier, j'entends. Et sans compter le discrédit que ça jetterait sur les responsables du DFW. Et notamment vous. Précisément, oui. Alors, que pouvons-nous faire pour l'éviter? Pour commencer, rassembler les retardataires et ramener tous les dinosaures dans leur enclos. Ensuite, nous tâcherons de renforcer notre sécurité. Ça vous va? Oui, vous avez mon feu vert. De toute façon, le mérite me reviendra plus tard. Là, tout le monde les... Voilà, les récents se dirigent ici. Va falloir que j'en ouvre un autre plus loin. Ouvre tes abris d'urgence pendant les tempêtes dangereuses et les évasions de dinosaures pour éviter que ton taux de sécurité en pâtisse. Tranquillise rapidement chaque dinosaure énervé en utilisant le mode visée ou verrouillage. Transporte les dinosaures dans leur enclos avant qu'ils ne se réveillent. Lorsqu'ils s'énervent, les dinosaures peuvent endommager ou détruire partiellement la clôture de leur enclos, laissant une brèche ouverte. Choisis un centre de réaction avec R et déploie une équipe de garde pour entreprendre des réparations manuellement ou leur assigner des réparations à effectuer. Réparer ça et réparer ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose qui est cassée? Non. Il n'y a que ça. Donc let's go, allez réparer ça. Je le ferme ou pas du coup? Attendez, pas encore. Parce que lui là, il est encore là. Ah, ils ont fait vite pour tout réparer. Ok, bah c'est bon alors. Là, on peut ouvrir. Enfin, fermer ou ouvrir? Fermer du coup. Faut que je m'assure que les dinosaures sont dans un enclos sécurisé. Oui, mais ils sont tous là. Hein. Manque de grands espaces, vous voyez. Du coup, j'ai diminué leur enclos, donc c'est pour ça que ça fait ça. Donc là, je vais juste enlever quelques herbes. Et normalement, ça va le faire. Voilà, là, ils sont bien là. Mission terminée, nickel. Trop trop bien. Nous avions sécurisé l'Arizona et protégé les dinosaures. Finch et le DFW avaient toutes les cartes en main pour dissuader les bureaucrates d'intervenir. Enfin, pour l'instant. Mais ça risquait de ne pas durer. Ok, campagne Washington. Waouh. J'aurais aimé pouvoir entrer dans les détails, mais comme vous le savez, la situation est très instable. Nos amis canadiens s'inquiètent de la présence de nombreux dinosaures sauvages à leurs frontières. Nous aimerions les empêcher de la franchir. Et par nous, j'entends la CIA. Je suis ici pour le compte de la division des espèces dangereuses. Je suis le docteur Doua. Je me spécialise dans la recherche paléontologique et j'ai étudié ces espèces en profondeur. D'abord à Jurassic World, ainsi qu'à d'autres endroits que je ne peux pas vous divulguer. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà croisé plusieurs de vos collaborateurs. Un camp de braconniers. Ou du moins ce qu'il en reste. Des amateurs. Ils n'ont réussi qu'à se faire tuer et à risquer la vie des autres.
Tout ça en plus de nous compliquer singulièrement la tâche. Ok. Alors, faut administrer des tranquillisants. Docteur Dora, les dinosaures sont encore nerveux. Au carnot. Dans ce cas, nous ferions sans doute mieux de les endormir. Nous devons procéder rapidement et en douceur. Ok. Objectif confirmé. Ok, touché. 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 Là, c'est pareil, on touche. Mais il sent pas ? Ah si, il s'énerve un peu là. Ok, et l'autre il est où du coup ? Il n'y en a pas d'autre. Aucune organisation ne saurait fonctionner correctement sans acteurs clés comme moi. Et sans infrastructure. Alors, commencez par construire un terminal d'arrivée, un centre de contrôle, sans oublier un générateur de secours pour alimenter le parc. Ok, bah c'est parti, on va faire tout ça. On va mettre un lieu d'arrivée. Par contre, où est-ce qu'on peut le mettre? Bah je vais mettre tout là-bas. Ou alors je le mets ici. Ouais, je vais le mettre ici. Ça me paraît bien ici. Hop, là on va mettre un centre de contrôle juste là également. Et un générateur de secours. On va le mettre juste là. Voilà, là il y a tout qui se construit. Il faut que les bâtiments soient reliés entre eux aussi par une route. Donc on va faire ça. Voilà. Je dois admettre que c'est un bon début, mais il va aussi nous falloir un centre de réaction. Hein ? Alors, passez à l'action et faites-en construire un. Hein ? Vous avez compris ? Hein ? Action, réaction. Non, laissez tomber, je n'attendais pas vraiment de réaction de toute façon. Ok. C'est très très drôle hein, le monsieur. J'espère que eux ils vont pas se réveiller dans 7 minutes là. Ok. Là il y a un problème apparemment. Claire, on doit transférer des dinosaures dans de nouveaux enclos. Ceux que nous avons déjà capturés. Ouais, c'est ça. Et il faudra les réveiller et s'assurer qu'ils se sentent bien. Hop, on prend les équipes de garde, ajouter une tâche. Et du coup il faut hop. Alors non, pas le contrôle de routine hein. Réparer la clôture. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ok, ils arrivent. Réparer la clôture là. Mais ils sont petits les enclos. Ok, et pendant ce temps, du coup, il y a quand même des enclos qui sont fermés. Donc on va les mettre dedans. On va prendre... Alors, c'est pas ici, c'est là, transport. Et ils vont prendre monsieur, ils vont le mettre là. Et ils vont prendre monsieur, ils vont le mettre là. Je sais pas, je trouve ça hyper bizarre. Bah, ça se voit que c'est un truc de braconnage et tout. Et que... Ils s'en fichaient de l'intérêt des animaux et du bien-être des dinos. Je vais refaire tout ça de toute manière. Au pire, c'est pas la peine de réparer tout ça. Ah mais oui, mais ils sont bêtes. Ils sont bêtes. En fait, ils ont réparé la clôture. Mais du coup, lui, il se trouve enfermé. Ah là là. Vas-y, vas-y, passe. De toute façon, tout ça, hein, je suppose qu'on va... Donc on va les enlever. Hein. Hop. Voilà. Au final, ils vont se retrouver dans le même enclos, mais c'est juste que là, je vais... Hop. Je vais juste les relier, ça va, c'est pas très grave. Je vais agrandir ça, du coup. Je vais les mettre comme ça. Je vais quand même faire un enclos assez grand pour qu'ils soient heureux. Et hop. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir casser. Tout ça. Voilà, comme ça, ils sont ensemble et ils sont contents. Là, il faut qu'ils aient un niveau de confort de 80%. Alors, attendez, parce que déjà, là, c'est pas du tout la même clôture et ça me dérange. Je peux pas... Oula, ok, alors, attendez. On va mettre pause. On va mettre pause et je vais juste refaire toute la clôture normalement. Ok, il a réussi à casser. Oh là là, non. Équipe de capture, allez. Capturez-moi ces deux-là. Ah. Bah non, lui, du coup, il n'y a pas besoin. Attendez. Faut que j'annule. Voilà. Parce que lui, il est rentré, du coup, c'est bon. L'autre, par contre, il n'est pas rentré. Ah bah, il a réussi à... À sortir. Ok, ça marche. On m'a dit donc ça commence pas très bien là. Voilà, je mets une porte.
Ok. Transport, hop. Et hop, et du coup, il me faut équipe de capture, parce qu'il faut capturer l'autre aussi. Et du coup, l'autre, il est où? Ah, il est là. Ok. Allez, le capturer, du coup, celui-ci également. Et hop, transporter aussi celui-ci, s'il vous plaît. Ça, c'est très bien. Ensuite, équipe de garde, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, hop, évaluer un petit peu le bien-être de tous ces dinos, enfin de ces deux petits carnaux, et sceller. Ah, il a besoin d'un compagnon. Non mais il arrive, t'inquiète, ton petit compagnon arrive. Voilà, il est juste là. Ok, donc là il me faut encore une fois équipe de garde, ajouter une tâche. Et il va falloir me regarder celui-ci aussi également s'il vous plaît. Manque de proie. Qu'est-ce que ça veut dire ça, manque de proie? On va regarder ça. Ok, donc mangeoire pour... carnivore. On va regarder ça du coup. Ce que ça fait. On va le mettre là. Oh. Ok, d'accord. Donc ça fait ça. Très bien. On va mettre une galerie panoramique également de recherche. On va mettre ça là. Et on va mettre une petite route. Voilà. Ah, ils ont encore une fois... Mais non. C'est une blague? Ils ont encore cassé la clôture. Mais c'est pas possible. Comment ils ont fait? Là, il y a un truc que je comprends pas, là. Parce qu'ils sont pas contents, donc ils cassent la clôture, quoi. Oh, il neige. Incroyable. Trop, trop beau. Ok, donc là, il va falloir qu'ils réparent ça aussi. Ok, c'est fait. On va remettre les carnaux ici. Et là, il y a un... Ah, le carnot, il est juste là, je l'avais pas vu. Et faut le remettre ici. Et il va falloir qu'il soit content, là, un petit peu. Qu'est-ce que je peux mettre, du coup? Mangeoire à pas vivant. Mais attendez, on va mettre ça. Hein. On va mettre ça ici. Voilà, en fait, ils veulent, des brebis comme ça, en fait. Ils veulent du vivant, donc bon, bah voilà, c'est fait. Je leur ai mis. Là, faut que je remette du... carburant, donc c'est bon, c'est fait, j'ai mis. Allez, c'est parti les cocos. Là, on a une petite brebis pour vous. Arrêtez de casser les clôtures, s'il vous plaît. Manque de sable. Ok, bougez pas. Je mets sur pause parce que j'ai pas envie qu'ils s'offusquent là. Bah du coup, ça, je vais enlever parce que du coup, ils veulent vraiment juste un appât vivant. Et celui-là, je vais le mettre à la place de l'autre. Ok, et du coup, qu'est-ce qu'il va falloir? Il faut du sable. On est un peu quand même... Enfin, il neige là, mais bon, il faut du sable, quand même. Ah oui, c'est pas du sable jaune, quoi. C'est du sable. La terre, quoi. Et là, qu'est-ce que ça dit? Manque de marécage. Ok, bougez pas, marécage. On va mettre l'eau, bah, juste là. Voilà. Je sais pas si là, ça va leur convenir. Manque de grands espaces. Peut-être agrandir l'enclos ou alors diminuer un petit peu l'eau. Que par exemple, si moi je veux faire des petits marécages, je peux ou pas? Bon, je vais agrandir un petit peu l'enclos. Comme ça, ils vont être bien. Voilà, et je vais attendre que ça autour, l'électricité soit mise partout pour après enlever ici. Ah, ça va, ils sont satisfaits, hein. Allez chasser! C'est parti! Ah! Cherche des traces de dangereux dinosaures. En effet, monsieur Finch. Nous savons où ils ont été vus. Mais l'important, monsieur Grady, c'est de comprendre où ils sont passés. Connaissant mes dinosaures, je dirais qu'ils sont partis par là. Vous connaissez ces dinosaures, monsieur Grady? Mieux que quiconque. Mais ce ne sont pas vraiment les vôtres. Va falloir me faire confiance sur ce coup-là. Oula! J'entends des choses par ici. Ça doit être par là. Ah! Faut qu'on analyse ici. Je crois que ça s'annonce bien. Enfin, même si je suis pas Madame Soleil. Espèce non identifiée. On va aller par là, on va voir ce qu'on trouve. Ah! Attendez! Demi-tour! Ça va, on se prend pas les arbres. Ça, c'est cool.
doute indique qu'ils sont partis par là. Aïe aïe aïe. Ok, en fait là on va dans la gueule du loup. On va droit dans la gueule du loup, au calme. Très très bien. Mais sinon c'est très joli, un très joli paysage. J'aime beaucoup. Oula, bah on les entend bien en tout cas. Ok, là, faut analyser aussi. Quoi qu'on en dise, les dinosaures sont pas très discrets. Ils laissent toujours une trace de leur passage. Ça me rappelle quelqu'un. Qui, le docteur Malcolm ? Ah, ce gars-là est complètement perché et très imbu de lui-même. Contrairement à... Ah, disons un comportementaliste animalier modeste et sympathique qui a son propre charme. J'aime bien leurs petits dialogues, c'est cool. Il y a des trucs ici. C'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas des carnivores. Ah. Et coucou, c'est des galliminus, non? Là, on a des tricés. Aïe, je me suis pris le... J'ai l'impression qu'on se rapproche. Allosaure. Oi, oi, oi. La boussole me dit qu'on est pas très loin. Restez sur vos gardes, d'accord? Ok, je reste sur mes gardes. Je vais foncer droit dedans. Clairement, je le sais, hein. Je sais que je suis comme ça. Je vais foncer droit devant. Ça va, les arbres sont invisibles, ça c'est cool. Là, on analyse aussi. Embuscade. Oh my god. On se bouge, allez. Owen. Owen, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu occupé, là. Par pitié, dites-moi que tout est sous contrôle. Permission de mentir? Si ça peut apaiser mes angoisses, oui. J'ai les nerfs en pelote. Nous sommes déjà sur le coup. Ok. Notre hélicoptère est prêt à intervenir. Nous allons tenter d'endormir l'animal depuis les airs. Tenter. Très bien. Tâchez plutôt de réussir, Docteur Noua, avant qu'il ne dévore Grady et son équipe. Ne dites pas ça. Vous avez foi en le collègue, pas vrai? J'ai la permission de mentir. Ok, je me suis bien mis proche de lui. Ok, bah là, il bouge plus, là. Ok. Ok, c'est bon, j'ai l'anesthésie, là. Nickel. Oui, bah, il bougeait plus, hein. Très, très bien. Quelle est la situation? On est pas loin. Tout est sous contrôle. Ou presque. Mais l'animal est blessé. Nous devons le transférer dans un endroit sûr pour le soigner et le garder en observation. Je vais prévenir le docteur Doua. Sinon, je vais bien. Merci de t'en inquiéter. Ok. Hop, du coup... Ouais, bah allez le chercher. Mais par contre, ouais, j'ai pas fait d'enclos encore. Ah, quoique, bah si, là. Est-ce qu'ils sont contents, eux, du coup? Contrôle de routine requis. Eux, il faut qu'ils restent contents. Je voudrais pas les négliger, donc s'il vous plaît, vous pouvez aller voir s'ils vont bien. Et au pire, bah l'autre, bah, je le mets ici, c'est pas grave. Oh, je pourrais toujours agrandir les enclos, même s'il est dedans. Et les herbivores? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Tant qu'ils restent à l'écart de la population, laissons-les où ils sont. Ils sont capables de survivre dans la nature sans notre intervention, non? Si on leur laisse le temps de s'adapter... Oui, je pense. J'imagine qu'on va devoir s'y faire. Les dinosaures feront désormais partie du paysage. C'est votre avis ou celui du gouvernement? Claire, je suis le gouvernement. Bon bah du coup on va le mettre juste ici. Et eux ils sont satisfaits apparemment, donc bah nickel. Je vais juste mettre une petite porte. Je vais la mettre juste ici. Et voilà, l'allosaure est juste ici. Donc on va aller voir un petit peu s'il va bien. Équipe de garde, ajouter une tâche. Hop. Eux ils vont bien donc ça va. Comment on peut zoomer de près, c'est ouf. Waouh. Incroyable, trop beau. Ah bah lui, regardez. Ah bah voilà. Wow, l'animation est dingue hein. L'animation est hyper dingue. Hépatologie intermédiaire voit une EVM, effectue une analyse médicale pour en savoir plus. Ok, rêve d'une forêt, pathologie non diagnostiquée. Ok, alors bouge pas, je vais te donner une forêt. Voilà.
T'as une petite forêt ici. Nous allons avoir besoin d'un centre paléomédical afin d'examiner le dinosaure que nous venons de capturer. Il va nous falloir une analyse complète. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise. Du coup, c'est où? Ça va être juste là. Ouah, il est énorme le truc. Oi, oi, oi. Ouais, bah je vais le mettre ici. Hein. Voilà. On va mettre une petite route. Voilà. Et je vais même relier la route. Voilà, juste là, comme ça, pour que ça soit plus simple. Un truc d'observatoire aussi pour celui-ci, ça peut être bien. C'est une forêt que je t'ai donnée là, non? Il rêve encore d'une forêt. Ok, donc je vais ajouter une tâche. Voilà, scan médical pour ce petit dino. À 80%. Mais pourquoi il a baissé? Je comprends pas. Faut peut-être que j'agrandisse un peu plus l'enclos. Non, non, bah ça c'était sûr, ça. C'était sûr, ça. En plus, il a une fracture grave, là. C'est pas le moment. Ajouter une tâche. Bah ouais, ouais, bah vas-y. On va faire ça. Ajouter une tâche. Et il va falloir l'endormir, ce coquin. Et là, que vous répariez. Et moi, hop. Voilà, et là, je fais une très grande forêt, du coup. Pour notre ami Allosaure. Ok, et là, hop, on va le transporter juste ici. On l'aura bientôt voilà. Récupéré. Et voilà. Le petit chenapan. La cible est arrivée à bon port. Et là, par contre, ouais, il est blessé, là. Wow. Ok, ok, bah ouais, il a attaqué les clôtures, du coup, il s'est fait gravement mal. Allez, clinique vétérinaire. Ok, donc là, il faut absolument qu'on l'endorme. Et du coup qu'on le mette au véto. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok, donc lui, hop, on va le transférer ici. Voilà, à notre petite spécialiste. C'est quoi les conditions là? Il faut plus de scientifiques? Je pense qu'il va falloir que je recrute de nouveaux scientifiques. Bah je vais prendre celui-ci. Ah bah je peux pas en prendre un autre, ok. Ouais, transportez-le ici. Allez, lancez la tâche. Wow... ça m'a coûté cher là toute cette histoire. Ok bah on va ouvrir l'installation hein. On va ouvrir le parc à tout le monde. Ici j'aimerais bien mettre galerie pour regarder les dinos. Voilà donc je vais en mettre une ici. Je vais mettre une petite route. En cours de transport. Voilà. Comme ça. Il va falloir que je mette un abri d'urgence. Juste là, ça peut être bien. Voilà. Là, du coup, on va remettre du carburant, mais on a bientôt plus assez d'argent. C'est pas génial, ça? Faut faire attention. Waouh. Il lui fait quoi, là? Je sais pas trop ce qu'ils lui font, mais bon, écoutez, ils lui font des trucs. Eux, bah, ils sont satisfaits également, donc... voilà, pas lieu d'être en colère avec eux. Franchement, ce paysage est juste incroyable. Avec la neige, la forêt... waouh. J'adore. Ok, donc là, le traitement lui a été administré apparemment. Donc, il va bien. Prêt à être transporté, bah, du coup... Bah du coup ouais on va le transporter si je peux. Ok bah transport voilà c'est bien. Et le livrer juste là. Voilà. Allez reprenez moi ce petit choupi. Ah regardez lui regardez. Oi. Ah ouais. Incroyable. Et là, c'est bon, il y a des gens. Ah bah là, on a repris un peu de... dessous, là, en bas à droite. Ça, c'est cool. Allez, hop. Alors, manque de grand espace et contrôle de routine. Ok, alors, attendez, parce que là, il y a peut-être trop d'arbres, mais il m'a dit une forêt, qu'il voulait une forêt, donc faut savoir ce qu'il veut aussi. Je vais retirer quelques arbres.
On va voir si là il est un peu plus heureux. Il est dans une forêt, mais il y a trop d'arbres, puis après il n'y a pas assez d'arbres, après il y a trop d'arbres. Oula, en danger là. Manque de grands espaces, dangereux pour les véhicules. Bah oui, carrément, oui. Ok, bah écoutez, on va renlever un peu d'arbres. Mais en même temps, il rêve d'une forêt, donc c'est un peu compliqué là. Il va falloir que j'agrandisse ça parce que sinon, il va pas aimer. C'est même pas la peine hein, d'essayer de trouver un compromis avec lui. Hein. C'est pas la peine. Donc je vais agrandir à peu près jusque là. Voilà, le temps que ça mette, ok. Et du coup, je vais peut-être rajouter un petit peu de forêt par là. Et là, normalement, il a tout. Comme ça, il a vraiment... Au milieu, il a rien. Et autour, il y a de la forêt. Voilà. Et là, du coup... Est-ce que t'es content, là? Oh non! Oi, 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 oi. Ok. Il est pas content, hein. Équipe de garde, venez, s'il vous plaît, vous occuper de ça. Ah, il est affamé. Ah là là là, pause. C'est vrai que j'avais oublié ça. Je pense qu'il faut des brebis comme les Carnot, hein. Donc c'est ce que je vais mettre. Voilà, on va mettre une petite mangeoire pour appât, juste là. Ah non, problème de cohabitation. Oh là là. Du repos est essentiel pour récupérer. Ils vont se battre. De préférence dans un lieu confortable. Ça marche à tous les coups, pour les dinosaures aussi, j'imagine. Vous êtes perspicace. Mon ex vous rirait au nez. Oui, bon, passons. Nous devons transférer cet animal et veiller à ce qu'il soit à l'aise et à l'abri dans son enclos. À vous de jouer. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 vous battez pas. Faut pas se battre. Oh non. Ah, c'est bon. Ok, transport. Il a mal quelque part ou pas? Non, ça va. Ok, transport et on va te remettre chez toi. Oh non, clôture endommagée. Ok, bah c'est parti. Aïe, il est juste devant le... Oh la vache. Non, attendez. Attendez, pause. Là, ça va pas du tout, là. Je vais juste mettre ça. Genre... Autre part, genre là, voilà, parce que ici devant, enfin ça va pas du tout. Je vais prendre eux, ajouter une tâche et du coup va falloir. Bah lui ça va, il est dans l'enclos encore. Et du coup équipe de garde, ajouter une tâche. Là faut réparer ça, s'il vous plaît. Là ça va, les gens sont tous là-bas donc encore ça va. Lui il bouge pas. Ok. Nickel. Là ils ont réparé donc c'est nickel. Et toi, on te remet là. Esselé et le confort est pas ouf apparemment pour ici. Alors que ça allait bien, je trouvais quand même. Il est affamé, mais normalement il est à la brebis là. Je sais pas s'il chasse. Bah attendez, parce que au cas où, on va quand même lui mettre une mangeoire. Comme ça, ça va être nickel. Hein. Je pense qu'on va lui mettre les deux. Voilà, comme ça là il a la bouffe et s'il veut chasser il peut, mais au moins il a la bouffe. Et eux ils ont peut-être besoin d'avoir un plus grand espace, donc je vais agrandir ça. Bah attendez, là ils ont leur porte aussi, est-ce que je peux décaler la porte? Oui, donc là ici, bam, je vais mettre du sable aussi, voilà. Et ça, je retire. Et on va enlever les arbres. En cours de soin. Ok, donc on va voir un petit peu comment ça va. Voilà, je vais mettre un peu tout. Je vais mettre vraiment la viande crue, comme ça ils peuvent manger. Et puis à côté, s'ils veulent chasser, au moins ils ont ce qu'ils veulent. Donc je pense que ça peut être pas mal pour eux. Eux, il faut qu'ils fassent gaffe. Ouais, ils sont satisfaits apparemment. Et notre petit allosaure est ouf. Il est juste là, il est affamé. Et le confort, c'est pas très très ouf. Alors pourquoi il est affamé ce petit là? Faut qu'il... Bah oui, bah il faut se nourrir là. Il y a ce qu'il faut ici hein. Inanition, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais point ce que ça veut dire. Il a vu qu'il y avait une chèvre là. Ah oui, il l'a vu, c'est bon là, il l'a vu là, la petite brebis là. Allez, chasse là. Fais quelque chose. Faut que je remette peut-être un truc. Attendez. Peut-être qu'il en faut plusieurs. Je vais mettre un appât vivant là, comme ça, il aura peut-être assez
de brebis. On va faire le contrôle de routine également. Effectivement, là, il neige beaucoup. Mais son confort est qu'à 67%, c'est bizarre. Ah ouais, là, il est en train de chasser, en fait. Il veut une forêt comment et autrement, là? Il veut quoi? Il veut peut-être une forêt comme ça. Peut-être que le biome que je lui avais donné, peut-être que ça lui plaisait pas. Ah, ça a augmenté, là, 69%. Voilà, là, normalement, ce biome-là, ça va plus lui plaire, normalement. C'est moins serré et tout, donc à mon avis, ça va plus lui plaire. Il lui faut peut-être un peu d'eau aussi, également. Voilà, ça, il a tout ce qu'il faut ici, normalement. Ah, confort, 92%. Bah voilà, parce qu'il lui manquait de l'eau, ce pauvre petit allosaure. J'ai mis du temps quand même pour comprendre ça. Et voilà, mission terminée. État de Washington. Trop trop bien. Nous avions fait en sorte que les dinosaures puissent s'épanouir dans la forêt. Au début, je croyais que c'était la meilleure solution. Mais nous avons ensuite réalisé qu'un cinquième de la superficie totale des États-Unis est couvert de forêts. Et que 40% du Canada est encore sauvage. Grâce aux efforts conjoints du DFW et de la CIA, nous avons aidé les dinosaures à s'installer là-bas. Dans la forêt. J'espère vraiment que les décisionnaires savent ce qu'ils font. Parce que ces animaux, eux, le savent très bien. Et voilà! Et du coup, dans la prochaine vidéo, ça sera la Pennsylvanie. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!